Oh yes, mon amour, Kolo yoka lo sambo ya moté manangai. Bestela ka belengo na yo. Tanya kubeta to na sena mo. Kisuka tena pomo e tala makasi na ye. Yene me to na pema. Eza bo belengo lu ensemble. Alléluia. Na la vina ngai na bide chipe. Pour cette cérémonie funéraire en mémoire de notre papa, notre grand frère, notre aîné, François Matondo Kasongo, plus connu sous l'appellation de Méfé, vieux Méfé, qui est notre doyen, l'un de nos doyens dans la communauté congolaise ici à Lausanne. Nous vous accueillons en ces lieux, le bishop Mathieu Gagnon et moi, et la servante de Dieu, au nom de la famille Matundu Kasongo. Et nous vous accueillons dans le nom du Seigneur Jésus. Ensemble, nous allons pouvoir honorer la mémoire de notre papa et pouvoir enfin le conduire à sa dernière demeure après la cérémonie. Je vous prie juste de vous mettre debout une minute, nous allons prier. Dieu notre Père, toi le maître des temps et des circonstances, voici tu nous réunis en ces lieux pour pouvoir honorer la mémoire de l'un des nôtres, celui que tu nous avais donné comme frère, comme père, comme grand-père, comme ami dans la communauté congolaise et dans cette ville de Lausanne. Seigneur, dans chaque circonstance pour nous, tes enfants, nous devons te donner la gloire, celle qui te revient. Tu nous avais donné, Papa François, Matundu Kasongo Méfé, il t'a plu de le reprendre auprès de toi. Nous te disons merci pour ce qu'a été sa vie et nous disons que la gloire te revienne. Maintenant, nous te recommandons cette cérémonie, ce temps de communion avec la famille et la communauté. Autant que la Bible dit, là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous saluons ta présence au milieu de nous et demandons que le Saint-Esprit nous accompagne jusqu'à la fin de ce programme.
Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa, nabiso ya solo, Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa, nabi toyemba ya solo, alleluia, 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 na Yesu, Yesu mwana zambe, alleluia, 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 na ezali ya solo, alleluia, 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 na Yesu, Yesu nkolo nanga, alleluia, 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 na Yesu, kitisa, kitisanguya na yo, kitisanguya na yo, kitisanguya na yo, nesikoyo ya solo, kitisanguya na yo, kitisanguya na yo, kitisanguya na yo, nesikoyo. Toyemba ya solo, alleluia, 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 na Yesu, Yesu mwana nzambe, alleluia, 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 alleluia. Alleluia nai ezali ya solo, alleluia, 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 alleluia na Yesu, Yesu nkolo nanga, alleluia, alleluia, alleluia. Alléluia, na Yesu. Vous pouvez prendre place. Nous allons voir un peu qui était Papa François Méfet. Et pour cela, j'invite le bien-aimé Fanfan Debo pour la lecture de la biographie de Papa François. Il est toujours assez difficile de prendre parole dans ces moments-ci, surtout avec une personne avec laquelle on a partagé de nombreuses années à Lausanne et qui ne manquait jamais avec son sourire de partager avec vous son expérience, ses histoires. On va essayer de faire au mieux. Le regretté Matundu Kasongo François Méfet
est né le 31 janvier 1936 à Kinshasa, République démocratique du Congo, veuf de Madame Ikuma Pongo Julienne. Les vieux Meufet nous a quittés ce jeudi 6 mai 2021. Les jeunes de ma génération se souviennent encore des rencontres de football que tu organisais vers les années 70 au terrain Meufet à Lemba. Terminus où prestaient des équipes comme Banavea, Dering Yamatete, Mado Lissano, Chetani, Santos, etc. C'était lors des grandes vacances scolaires. Beaucoup de grands joueurs de l'époque ont foulé leurs pieds sur ce terrain mythique qui porte encore ton nom, ainsi que certains artistes musiciens devenus célèbres par après, comme Koffi Olomide et tant d'autres. Natif de Léopoldville, en 1936, année de la fondation de Dering Imana, ton équipe chérie, membre à part entière de la population flottante, Tiké et Bunga, tu as côtoyé tous les grands de ton époque, Patrice Emery Lumumba, Adoula Cyril, pour ne citer que les plus prestigieux. Ta mission une fois accomplie, tu savourais ta retraite bien méritée à Lausanne, entouré des siens, jusqu'à ce que la nouvelle de ta mort vienne ébranler notre quiétude. Adieu, vieux Meufet, Matundu Kasongo François. L'homme sage et élégant, bon vivant, notre encyclopédiste de ces 30 dernières années, qui nous a apporté énormément de sa sagesse. Membre émérite du groupe Nordic Walking, senior, avec lequel tu sillonnais la ville de Lausanne à pied. Aussi, quelle que soit la météo, chaque lundi, en fin de journée, il avait rendez-vous avec une poignée d'adeptes au point de départ d'une marche d'environ 2 heures, menée par Madame Patricia, une monitrice expérimentée. Papa, rejoins tous ceux que tu as côtoyés dans ta belle époque de Léopoldville et qui t'ont précédé dans l'au-delà. Tu rejoins tous tes frères d'armes au pays des esprits et des ancêtres. Là-bas, tu pourras leur écrire des vers avec ta belle écriture calligraphique. Tes condisciples de l'école moyenne, Moulamba Moujos et Taboulay Rochereau, t'accueilleront avec des chansons de là-bas. Avec eux, vous avez vécu l'époque dorée où l'argent vous embêtait, comme tu aimais bien le dire. Adieu Kouloutou Meufet, Pemana Boboto. Au risque de remplir un océan par mes larmes, je préfère ne pas pleurer ton départ car tu resteras vivant en nous. Je parle au nom de tous ceux qui t'ont connu, côtoyé au quotidien et qui ont chacun une histoire particulière avec toi.
Rassure-toi, nous sommes très nombreux. Seul regret que je peux exprimer, tu aurais dû écrire tes mémoires pour que ta progéniture, 8 enfants, 14 petits-enfants et 1 arrière-petit-enfant, puissent mieux connaître ton parcours pendant les 85 ans passés dans le pays de vivants. Que ton âme repose en paix, que la terre des Helvètes te soit légère. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Merci. Voilà. Bon, j'ai fait un petit texte par rapport à papa. Comme un long fleuve tranquille, toujours avec dynamisme, tu as su surmonter toutes les méandres de la vie jusqu'à ton dernier souffle. La meilleure façon de te rendre hommage, ce sont les valeurs de la vie que tu as gardées comme le respect, la famille, le sens du travail et les relations humaines. Le temps nous apprend que tant que ton cœur bat et quand on a encore le souffle, c'est la plus grande richesse que Dieu nous a donnée. Ce fut une belle mission que tu as accomplie, papa. Tu es une source d'inspiration, un doyen, une bibliothèque avec des archives. Papa, ton bilan est positif. Tu étais juste. Merci, papa. Une grande fierté d'être ton fils, Junior Matundu, ton fils aîné. Tu nous manques déjà. Que ton âme repose en paix. Merci. Il nous a été dit ici que papa Méfait a laissé 8 enfants et 14 petits-enfants et 1 arrière-petit-fils. Je vais ici appeler sa petite fille, Tamara, qui va pouvoir lui rendre hommage. Chère famille, chers amis, mesdames et messieurs, aujourd'hui c'est moi qui prends la parole afin d'honorer notre grand-père vieux Méfait. Notre grand-père était un homme bon, souriant, juste, honnête et courageux. Il a comblé notre grand-mère Julienne de bonheur durant de nombreuses années. Certes, aujourd'hui, nous lui présentons nos adieux, mais gardons à l'esprit qu'il a eu la chance de bien vivre auprès de sa famille et ses proches durant 85 ans. Nous tenons, nous, ses petits-enfants, à le remercier pour tout ce qu'il nous a transmis et tout ce que nous sommes devenus. Sache, papy, que tu seras à jamais dans nos cœurs. Nous savons de là-haut, Dieu est avec toi et que tu veilles sur nous. Tu es notre ange, repose en paix. Oui, c'est pas évident. Alors, pour le dernier hommage de la famille, j'appelle sa fille Lola. Je vais être bref.
Je voulais juste dire merci à notre papa pour tout ce qu'il a fait pour nous. Il nous a pris sous ses ailes. Si on est comme ça aujourd'hui, c'est grâce à lui. Je vais juste lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et voilà, je ne peux pas parler plus. Voilà, merci. Avant d'écouter la parole, nous allons chanter ensemble un cantique. Yesu ndeko na bolingo, yo olingi ngai mingi, yo kufela kingai, solo yo talisinga nzela. Yemba alleluia, nalingi kolo ye, nalingi kolo, ngai nalingi kolo Yesu, alleluia na. Soko pasi soko liwa, yo. Yokolo mwana ngai te, yo sopaki makila, na yo kwete ngai nazwa bomo, yema aleluya ngai, na lingi nkolo ye. Yesu Masia, alleluia na, alleluia na Yesu. Ngai na lingi kolo Yesu, alleluia. Ata bato bako boya. Baba kolinga satana, yo lingi bato nyonso, kolo yo koboya mokote, yemba aleluya, ngai na lingi nkolo, ye. Yesu Masia, alleluia na, alleluia na nkolo ngai na lingi nkolo Yesu, alleluia na Yesu. Nous allons prendre le temps d'écouter un peu la parole de Dieu, parce que la Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et en ces temps de douleur, quoi mieux que la parole de Dieu pour pouvoir consoler nos cœurs? Pour cela, j'appelle l'homme de Dieu, le bishop Mathieu Gagnon, pour pouvoir intervenir. Prions. Seigneur, merci de parler à nos cœurs dans le silence de la mort. Merci de parler à nos vies au travers de la vie de ton serviteur. Bénis tous qui sont réunis en ces lieux, parce que tu es le Dieu qui bénit, mais le Dieu qui console. Que ta paix demeure sur nous. Au nom de Jésus, amen.
Je voudrais introduire le message de cet après-midi, de ce jour, où nous garderons dans nos cœurs et dans nos mémoires la vie d'un grand homme. Papa, ne sorte pas souvent de nos lèvres, que nous puissions nous éloigner du mal, faire le bien et poursuivre la paix. La troisième chose pour vivre longtemps, c'est cette démarche de la justice. Il est écrit que nous devons vivre donc sur le chemin de la justice afin d'obtenir cette couronne de longévité. La justice, Dieu nous la communique au travers de la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Je le dis parce que François Méfait a cru en Jésus durant son séjour sur la terre. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30 dit ceci, que c'est par lui, donc c'est par Dieu, que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Jésus est venu non seulement manifester l'amour de Dieu sur la terre, mais il est venu aussi afin de vaincre à notre faveur la mort. Donc, chers amis, la mort n'a pas le dernier mot. L'enseignement de la Bible nous montre que la mort n'est pas la fin. Après la mort, il y a la vie. Et je voudrais même dire la vie éternelle. Est-ce qu'on peut encore dire amen? Non seulement une vie éternelle, mais une vie meilleure, une vie glorieuse, une vie de félicité. La Bible parle de l'espérance chrétienne, elle nous parle du paradis, de comment, malgré quand nous quittons la terre, Paul dit d'ailleurs que j'ai envie de partir pour être avec mon Seigneur. Quand nous pensons comme cela, nous savons que aussi pour son pays. Amen. Alors je vais demander au pasteur Désiré de donner ses chants. Je vais demander à la famille de se tenir debout. Je vais demander aussi au pasteur Elite qui est dans la famille, vous qui êtes dans la salle, et vous qui êtes là, nous allons nous tenir debout. Vous qui êtes derrière, vous pouvez étendre vos mains vers la famille. La famille, tenez-vous debout si c'est possible. Et nous allons ainsi aller vers la clôture du service. Zambe,
mama na libota uyanga oku mama na bomoi abasantu nyoso oku mama oku mama ozanzambe ozanzambe yawe ozanzambe zambe nanga Tassongo Matundu vient me faire comme on l'appelait affectueusement à sa dernière demeure. Comme nous avons partagé durant toute la semaine du deuil, nous savons que la vie a deux portes. Nous entrons dans la vie par la naissance et nous en sortons par la mort. Et ce qui est important, c'est la façon dont nous aurons vécu sur cette terre des hommes. Mais je sais une chose, nous venons ici enterrer Papa François dans la foi chrétienne. Et avec cette période critique de pandémie et tout ce que nous sommes en train de vivre, regardez le nombre que nous sommes ici, témoigne de ce qu'il a été parmi nous. Tout a été dit lors de la cérémonie à la chapelle. Nous venons ici maintenant pour laisser notre papa dans sa dernière demeure. Nous allons prier pour que ce lieu ici soit un endroit où nous nous souviendrons que nous avons connu un homme qui nous a aimés, que nous avons aimé, qui a travaillé pour sa communauté, pour sa nation et qui laisse une progéniture qui a besoin de croire en lui. Tous les témoignages ont été unanimes par rapport à lui. Maintenant, nous voulons le laisser en paix. Je crois que tout ce qui a été dit dans la prédication reste dans nos oreilles pour que nous puissions vivre recherchant la justice, nous puissions vivre heureux et rassasiés de jour, comme l'a été Papa François, selon que l'homme de Dieu nous avait prêché. C'est aussi un moment pour nous, dans la communauté, de saisir l'occasion, tout comme dans la famille, de pouvoir nous réconcilier, nous serrer les coudes
et avancer ensemble pour affronter les défis de la vie, tout en appuyant toute notre foi et notre espérance sur le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, je vais demander à l'homme de Dieu de prier pour ce lieu et demanderai au service de pouvoir faire descendre aussitôt après le cercueil. On va prier. Seigneur, nous bénissons ce lieu parce que tu nous as dit, toute terre que nous, le plan de nos pieds touchera, tu nous donnes l'autorité et la possession. Quel que soit le temps où ce lieu a été, mais aujourd'hui, cette terre va accueillir ton fils et ton serviteur François Matondo Kasongo. Nous sanctifions ces lieux par le nom de Jésus, selon qu'il est dit, et tout est sanctifié par la parole et par la prière. Et tes anges campent dans ces lieux comme ils ont campé autour du corps de Moïse. Merci pour ton amour et pour ton exaucement. Au nom de Jésus-Christ, amen. Amen. Yesu ajali awa, Yesu ajali awa, Yesu ajali awa na biso. Yesu ajali awa, Yesu ajali awa, Yesu ajali awa na biso. Ema ya solo, alleluia, alleluia, alleluia. Alléluia, 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 na Yesu. Yesu nzela pe bomo, Yesu nzela pe bomo, Yesu nzela pe bomo na biso. Yesu nzela pe bomo, Yesu nzela pe bomo, Yesu nzela pe bomo. Amen. 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 Il est écrit que l'homme est poussière et retournera la poussière. Aujourd'hui, la parole de Dieu s'accomplit. Papa Mefe, Matondo, Kasongo, François, nous tenterons conformément à la foi chrétienne. Que le Seigneur bénisse ton départ et qu'il garde toute ta famille dans la paix. Ne condimapuesa, 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 ne condimapuesa
Qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Nous voulons en ton nom clôturer cette cérémonie, Père, demandant que ta paix, celle qui surpasse toute intelligence humaine, soit le partage de la famille et de toute notre communauté éprouvée. Seigneur, conduis-nous dans la suite des choses, dans la dignité, mais surtout dans la joie que donne le Saint-Esprit de savoir que Papa François t'a appartenu. Santo meu sol.
mama, oku mama, o zanzambe, yawe, o zanzambe, zambe nanga, kolo nanga, kolo na bo, zambe nanga, yesuwe, o zanzambe, o zanzambe, ah, oku mama. A confirmé que je suis au Zanzambé. Et revêtu de gloire et la justice, moi je me tairai jamais. Kolobana Mokili était au Zanzambé. Merci pour tout, merci pour les gens de Lausanne, de Suisse, qui nous ont assisté pour la mort de Papa Méfé, comme on l'appelle. Donc c'est notre papa. Il y a moi là, pour rendre le dernier hommage, pour Tikié. En tout cas, merci Nabino pour l'assistance Nabino. Au nom de la famille Matoum, de la famille Pongo, que je représente. Donc, toujours au Senga, merci. La soutien à bien depuis le 6 nouvelle et pour qui vous avez quoi assister Bissot, vous avez quoi retenir Bissot, vous avez Benga de loin et de près avec vos prières, vos moyens, tous les moyens qui étaient assistés dans ces funérailles, dans ces moments. On vous dit vraiment merci. Le bon Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Moi, c'est monsieur Nekar Edouard. Alors, j'ai connu le vieux il y a une trentaine d'années par le fait qu'il a grandi avec mes parents à Kinshasa, zone de Kin. Donc, c'est une personne qui m'a beaucoup marqué dans la mesure où il m'a encadré. Il me parlait beaucoup de sa jeunesse de Léopoldville. Mon père a vécu à la même période que lui. C'était un Imanien aussi, comme mon papa aussi dans la famille. Et puis c'est une personne qui nous a surtout apporté l'amour. Le fait qu'il est né dans un quartier où les gens de différents horizons s'est rencontrés, ils ont grandi ensemble, c'était un citoyen détribalisé presque. Donc il ne savait pas qui était du nord, qui était du sud, qui était du centre. Et c'est ce genre de valeurs qu'il nous a transmis. Aussi sur le plan politique, comme il travaillait à l'ambassade, il aidait beaucoup de gens au niveau des papiers et tout ça. C'était vraiment une personne proche, très très proche des jeunes, très très proche des gens de sa génération aussi. Et puis son passé aussi d'encadreur des jeunes sur le plan sportif l'a aussi aidé à nous transmettre de valeurs au niveau par exemple de l'entretien du corps. Il est resté longtemps dans sa vie, jusqu'à 85 ans, c'est parce qu'il entretenait son corps et son esprit. Il lisait beaucoup.
Il lisait beaucoup. Moi, j'ai eu la chance et le privilège de fois de passer la nuit chez lui. J'ai vu une personne qui s'est documentée quasiment tous les jours. Tous les jours. Il dormait avec des livres qu'il lisait. Il se nourrissait l'esprit et le corps avec ça. Donc, c'est une personne qui m'a marqué les 30 dernières années. Je l'ai continué à le côtoyer jusqu'à ce qu'il quitte ce monde. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire à propos du vieux Matumbo François Effé. Voilà son. Merci Edouard. En tout cas, voilà. Ton témoignage est complet. Moi, c'est François Fonfon Debo. Le témoignage d'Edouard, mon frère, est vraiment complet. Je ne peux que dire, nous sommes dans la tristesse et nous sommes aussi dans la joie. La tristesse d'avoir perdu ce grand baobab, la joie de l'avoir côtoyé, une personne aimante, une personne gaie, qui te transmettait les bonnes valeurs. Et ces gens-là, dans notre communauté ici en Europe, sont tellement rares. Vraiment, c'est un plaisir. C'est aussi cette tristesse dont je vous ai fait part. Et sachez que le vieux, nous ne l'oublierons jamais et qui restera jamais gravé dans notre cœur. Merci beaucoup. Merci à vous. Coloco senga por me Yahweh kosenga yongo luzambe o Yahweh kosenga yongo lwe Oh Yesu mwana mobali Kolo yoka losambo ya motema na ngai Bestela ngobele ngona yo Nanya kubeta tona senda moyo Kisuka zaina pomo ezala makasi na ye Yene metona na pema Ezala ngobele ngolu ya nsambi Haleluya Nala vina ngaida vide chikwe Yenga na kote ngayo ngolu na yo Vela ngayise ngolu na yo yawe Vela ngayise ngolu No, yana kwe manga ima ye maka Papa nali kwa na manga imo bima ye Ye ngana kose nga yo sengulwe So ki mwongwe so maka bongo ye ma Kanya na so matali wa ya mwana nga ikisine ye Kone wali nga kama na nga leka kami yeta Yango na kose nga yo ngulwe Olo Yesu we Olo na nga Yesu we Oh, Kolo, ce qui est ce rabat là qui
Taki ke po taki kitoko. Wé te ba sa kitoko pour le kai basalaki. Kaza ki bo beni ngulu ya zambe. Wo ya zaki na misu ya roa. Hallelujah. Tangwa damu asumu kinela ngane kemi. Wo ke na ki obo makise nyama zambe. Ola ni sa ke kaka se poso ya nyama. Na ele mo kaka ya ngulu ya. Avec des publics.